semaine est arrivé les livres que j'avais commandé et en regardant les livres je trouvé que sa proposition est beaucoup plus intéressante que celle que j'avais faite la semaine passée et j'aimerais apporter des changements parce que qu'il eh, nous donne déjà un, un chemin déjà à parcourir et dans ce chemin-là il n'y a rien qui m'empêche d'ajouter des choses plus intéressantes en cours de route et c'est ça que j'aimerais vous proposer qu'on commence à tricoter ça ensemble et au fur et à mesure qu'on avance et on puisse ajouter des d'autres motifs des motifs plus modernes des choses plus connectées à ce qu'on aime et à des choses qui que vous pouvez proposer à tricoter que vous voudriez connecter Qu'est-ce que c'est l'avantage de faire une chose par rapport à l'autre C'est quoi la différence d'un point par rapport à l'autre Et je suis certain qu'il y a plein de, de questions qui vont, qui vont arriver au cours des routes d'une semaine à l'autre. Alors, je présente les livres de Barbara Walker. Barbara Walker, c'est qui C'est une écrivaine des de, de livres de Tycho. En fait, elle a... C'est une madame qui, aux années 70, fin, année un 70, plus, plus tôt, était, a écrit beaucoup par rapport au, au tricot. Et elle aussi a, elle écrit des, des gros livres, qui aujourd'hui, ça reste, ça, ce sont comme des bibles pour les tricots. Et qui servent de modèle pour plusieurs designers de tricot aujourd'hui. Donc, par exemple, j'ai ici quatre de ces de livres. Et, et ça, c'est le deuxième livre qui, qui parle de tricot, donc, où elle présente plusieurs motifs et, et, et plusieurs techniques de tricot qui on peut utiliser dans notre quotidien. Et, ça, c'est quatre de livres. Il y a là un cinquième qui, euh, qui s'appelle Mosaic Knitting où elle utilise beaucoup de techniques. Et à son époque, il y avait Elisabeth Zimmerman, une autre, une autre madame comme elle, qui a beaucoup écrit sur le tricot, mais elle écrit d'une manière complètement différente. Donc, ça, c'est un livre qui montre des techniques de base et qui nous permet de réviser tous les points de tricot, d'apprendre de nouvelles techniques, qui, ça nous permet d'avancer beaucoup. C'est ça que j'aimerais vous proposer aujourd'hui. Mais, avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais vous montrer qu'est-ce que ça a donné l'exercice de la semaine passée. Donc, ça, c'est mon exercice qui j'ai fait la semaine passée. Ça m'a donné ça, tout entortillé comme ça. Hein? C'est drôle. C'est quoi ça? Pourquoi que c'est de même, Marcelo? Ouais, c'est de même, hein? c'est pas beau du tout on va venir ici sur ma table et là on va voir pourquoi que c'est de même ici qu'est ce qu'on fait pourquoi que c'est comme ça les les ponts de jersey, il fait comme ça parce que son structure ici en bas il ne donne il ne permet pas dégarder une structure lisse et droite sa tension et l'énergie de, de la torsion du fil autant la torsion du fil que des points les forces à enrouler comme ça naturellement c'est l'énergie du fil de la torsion et du tricot qui fait comme ça la même chose dans les rangs les, ça fait normalement comme ça ok donc, pour qu'est-ce qu'on fait pour que nos échantillons ne restent pas comme ça C'est important de faire du pain mousse, et c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui, de faire du pain mousse pour éviter qu'il ne reste pas comme ça. Donc, pour que on arrête d'avoir un, un, un échantillon enroulé de même, c'est important de fixer la laine, ok donc, pour fixer la laine, fixer notre échantillon, quand on termine de faire comme ça, on plonge notre, notre échantillon dans une eau savonnée. Pourquoi une eau savonnée? Pour que l'eau, parce que si la, il, y a, il y a, eu de la teinture sur notre laine, l'eau savonnée, elle va permettre que la teinture de la laine se fixe encore plus sur la laine et ça décolore pas au moment de notre lavage. C'est ça la fonction du savon. Il y a même des, des, des teinturières et naturels ou d'autres teinturières qui recommandent de plonger la laine qu'on file ou la laine qui était récemment filée ou, ou une pièce finie de tricoter, de la plonger et dans ces lots savonnés de mettre plusieurs sortes de savons ensemble juste une petite goutte pour que ces savons là neutralisent les fils dans toutes les sortes de savons. Ok? Donc en faisant ça, on va, la, une fois on enlève, on les va faire comme ça, un petit peu pour enlever l'excédent d'eau. Après ça, on enroule ça dans une serviette sèche. On enroule ça là, dans la serviette sèche. Il y a des gens qui pile dessus. Désolé, ma chaise, j'ai mis de l'huile, mais ça ne marche pas. Elle aime jaser avec moi. Ce n'est pas grave. Elle participe. Hein? Donc, on il y a des gens qui pillent dessus la serviette comme ça pour enlever le maximum d'eau. Et on va épingler à plat. Comme ça. On épingle à plat en étirant comme on veut qu'il reste. Donc, ici. On épingle comme ça pour que ce soit très bien étiré comme ça. Là, on va fixer notre tricot ici. Vous voyez, je ne veux pas qu'il roule, donc. Je l'épingle pour qu'il roule pas. marcelo l'autre, tu étires trop. Pas trop. Assez. Assez pour qu'il soit beau. Et là, tu fais la même chose l'autre bord. Celle-là, je ne vois pas. Est-ce que vous voyez mieux Regardez là. Il faut tout laisser comme ça. Et là, on étire notre échantillon au complet comme on veut qu'il reste. Regardez bien là, je mets à peu près 4 épingles, 5 de chaque côté pour qu'il s'étire ici, là. Même si j'avais déjà mis, j'étire un peu plus pour qu'il soit bien étiré et bien droit. Soyez généreux avec vos épingles. Gardez bien là. là on va de l'autre bord je mets les épingles quasiment dans la même direction que j'ai mis de l'autre bord pour que ce soit vraiment égal là l'échantillon il va être correct pourquoi? pourquoi il faut faire ça? pour que l'échantillon nous donne exactement la taille de la pièce finie quand elle va être sèche. Et c'est là qu'on va commencer notre tricot. Donc on tricote notre échantillon. La veille de commencer notre tricot. Comme ça on va voir. La. la les vrais résultats. De, de ce qu'est-ce qui va donner notre tricot. Vous comprenez. On tricote pas tout de suite. Sans avoir. Monter notre échantillon Il sans que l'échantillon soit bien fait. Parce que si on fait pas ça, qu'est-ce qui arrive? On va avoir une mauvaise taille, une mauvais Ça marche pas notre tricot. Ok? Plusieurs fois, j'ai dû de recommencer et refaire des tricots à cause que j'ai mal fait mon échantillon. Ok? Donc, une fois que ça s'est fait, c'est séché, on a des, des outils comme ça. Et des outils comme ça. Il y a plusieurs outils qui, qui existent dans les marchés pour mesurer l'échantillon. Il y a quelques-uns qui sont 20, mesurent en pouces. Il y a d'autres en centimètres. C'est à toi d'utiliser lesquels qui est plus confortable. Et ici, qu'est-ce qu'on voit aussi dans cette dans cette tricot, dans cet, dans cet exercice que je vous ai fait faire la semaine passée. C'est que, en changeant, même si on garde la même fibre, la même tension, c'est la même personne qui a tricoté, mais qu'on change la taille des aiguilles avec les mêmes tricot, qu'est-ce qui arrive? Notre su il change ici, le tissu est beaucoup plus serré. Ici, c'est moins serré. Ici, c'est très ouvert. Une autre chose. Ici, il est ferme. Ici, il est moyen ferme. Et ici, il est très lousse. Beaucoup plus molle. Le nombre des mailles et le nombre de rangs ici change d'un niveau à l'autre. Donc, ce sont des manières autant de voir que des influences qui ça se fait dans notre tricot et en même temps ce sont des influences pour notre tricot être euh, euh, modifié et aussi des manières d'ajuster notre tricot ok donc ça c'est oh, la, la fonction de cet exercice là et de voir qu'en faisant ça on peut vraiment Changer notre tricot selon le nombre de mailles, selon la taille de notre aiguille, et, non, selon la, la taille de notre aiguille, selon la, la, la grosseur de, 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 de notre fil. Parce que si j'utilise un fil plus petit avec une grosse aiguille, ou un fil plus gros avec une aiguille différente, notre tricot va faire, va, va, va avoir une différence Égal, eh, comme quand même, c'est bon. C'est ça le but, le but de cet exercice que je vous ai demandé de faire aujourd'hui. Eh, comme on a, comme j'ai changé eh, les le projets, on va. J'ai un projet avec les livres que je vous présente ici, les livres de Barbara Walker. Eh, Qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour travailler avec ces projets-là. Les matériels nécessaires que les livres propose sont, on va venir ici dans la page du matériel pour que vous puissiez savoir et que vous puissiez chercher les matériels ou adapter les matériels selon ce que vous voulez faire, ceux qui veulent suivre le projet avec moi. Il n'est pas nécessaire de suivre tous les, les carrés en ordre. Donc, les cours qui ont, les, les séances qu'on va faire ensemble, ils sont pas obligatoires de, de suivre un après l'autre. Vous pouvez faire ce qui ça vous convient. Deuxièmement, vous pouvez changer les couleurs comme vous voulez. Vous avez toute la liberté. Il n'y a pas de police là-dessus. Il n'y a pas de surveillance. C'est pour les plaisirs. Et l'objectif, c'est de passer à travers les principales techniques de tricot. Ce projet-là est divisé en huit chapitres ou huit techniques différentes. Donc, pendant tous les projets, on va passer sur les techniques qui sont écrites ici. Des mailles endroit, mailles envers. Il y a ces variations. Les mosaïques, mosaïques tricot les slip les slip stitch la technique des slip stitch les mailles croisées les mailles croisées c'est une vieille technique qui vient récemment être découverte comme je vous avais dit la semaine passée avec ce nouveau dictionnaire de tricot japonais qui ici donc les mailles croisées sont très exploitées là-dessus donc ici il parle un petit peu de mailles croisées on va parler des torsades de diminution, et de, de, de diminution et augmentation, comment on travaille ça dans nos patrons de tricot. Après ça, on va parler des ajourés des mailles donc Dans tous ces huit chapitres-là, on va avoir à peu près huit carrés à faire et, eh, et on va faire un cours de route. Pour faire ça, il est elle, la Hauteur, demande d'aller chercher sept pelotes de laine dans une couleur pâle, une autre couleur contrastante à cette couleur pâle aussi pâle. Par exemple, si on va faire un bleu et et rouge. Donc, vous prenez un bleu pâle, un rouge pâle, sept pelotes de 100 grammes chacune. Après ça, je veux avoir trois pelotes de couleur foncée, par exemple un bleu marin et un rouge bourgogne. trois, eh, trois pelotes de chacun. Et après ça, un autre trois pelotes de 100 de, de grammes de autre couleur neutre ou une autre couleur contrastive de ces deux couleurs choisies pour faire pour relier toute la doudou ensemble, toutes les carrés ensemble à la fin. Mais ça, c'est pour vous, selon votre goût. Est-ce que c'est obligé de faire comme le livre propose? Pas en tout, c'est à votre goût, c'est à votre guise, selon ce que vous voulez. C'est bon? Moi, je n'ai même pas choisi mes, mes couleurs là. Okay. Mais une chose intéressante, comme c'est un projet qui va rester pour longtemps, avec le temps et avec les, les travaux, l'effort qu'on va mettre là-dedans, il y a une valeur, une valeur sentimentale qui s'est créée. C'est pas la première fois que je fais un travail de même, donc je vous conseille vraiment de choisir quelque chose de qualité parce qu'il y a une valeur émotionnelle qui se développe. Il y a un attachement. Donc euh, si vous voulez investir dans une bonne qualité de laine, parce que ça fait un doudou chaud, ça fait une belle doudou, et choisis quelqu'un pour pour donner cette doudou là, quelqu'un qui tu aimes, quelqu'un qui tu veux euh, donner cette doudou, choisis un nom pour la doudou si tu veux la garder, euh, choisis quelque chose, euh, donner un sens à ce travail, ça va être motivant, ça va être encourageant. Donc, on va travailler ensemble, je sais qu'il va être super les fun. Donc, on va travailler super les fun là-dessus. Et une autre chose, je veux me donner la liberté d'échanger quelque chose. Si je trouve que quelque chose est vraiment plate, que ça ne vaut pas la peine, je vais vous dire, écoutez là, c'est ça, c'est ça, c'est ça, j'aime pas ça, on ne fait pas ça. Et une autre chose que j'aime beaucoup, c'est que comme les livres... C'est un livre des années 70. La description de chaque carré est faite en format de texte, comme ça. Et je veux faire les petites chartes pour illustrer les petits carrés pour chacun des carrés. Et je veux mettre avant la photo. Donc, euh, avant de, de, de la divulgation de la, de, de la séance, je veux mettre la petite carré pour que vous puissiez eh, faire les cours. Donc moi, comme vous autres, je vais commencer ici les matins avec vous. Je vais vous montrer comment ça marche, les, les, les points. On va partir ensemble. Donc on va faire un exercice cette semaine pour préparer la, la, la maille à, à l'envers, parce que c'est ça qu'on va travailler la semaine prochaine. Donc on travaille les points mousse cette semaine. On va travailler le point mousse. Ici, j'ai commencé à montrer le point mousse en maille en droit. Et j'aimerais vous proposer un défi. Ici, on a commencé en maille en droit. Il n'y a pas de problème. Et j'aimerais vous proposer de tricoter ça en maille à l'envers. Oui! Marcelo, tu nous casses la tête. Oui, j'adore ça. Vous savez pourquoi c'est qu avec quand c'est difficile qu'on apprend. Si c'est facile, on n'apprend pas. C'est facile. Mais quand c'est difficile, qu'on apprend. Là. Je vous avais dit qu'on allait faire un dernier rang ensemble. Et je vous ai montré d'autres choses. Mais je n'avais pas oublié que je vous avais dit que j'allais vous montrer quelque chose ensemble. Donc, j'attends juste de voir ma main en dessous de la caméra. Ici, je tricote. En okay? Le américain, ok? OK Dédico américain, c'est super facile. Je passe la gouille, les brins, vers moi. Parce que la maille à l'envers, c'est la maille envers moi. Vers moi. Donc, la maille envers, c'est vers moi. On regarde toujours la maille. Si on regarde ici, les brins de la maille, elle a deux brins. Un qui vient de la pelote. Un qui vient du tricot. On va piquer les brins qui viennent de la pelote. Vers moi. Ah, il y a un grand trou. Oui. Sauf qu'on veut pas avoir des trop grands trous parce que sinon on va avoir une un, un grande trop maille. Donc, on fait notre tension. Et on regarde ici. On peut étirer la maille. On passe la, la C entre les deux mailles. Et dans les grands trous, on passe la maille et on laisse tomber. Ici, on a notre première maille. On peut l'ajuster, Marcelo. Oui. Mais pas l'étrangler là. Tu es là pour. Il faut qu'elle glisse là. Regardez mon doigt. Elle glisse. On fait la deuxième fois. On passe. Les grands trous. Ouais, bonjour. On passe. On tient l'autre. Elle glisse. C'est bon. On serre un petit peu, mais il faut qu'elle glisse. Tu passes. Ah. Elle glisse. Ça, c'est le tricot américain. Ah, les mérinos ont mangé de l'herbe. On va enlever ici les restants de l'herbe du mérino. Bye bye! C'est le fans, hein, la, 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 la fibre naturelle. Mais ça, c'est pas naturel pour tout. C'est du super washed. Bon. On fait comme ça. il' Marcelo prend la vitesse. Pour l'américain. Là, c'est le continental. Continental, c'est quoi la différence? Le continental, il prend la, la pelote, le fil avec la main gauche. Donc, il prend la petite tension et tient ici et les aiguilles sont tenues pour les majeurs et les pousse. On a le doigt heureux qui va dire bonjour maille. Bonjour, 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 bonjour. Et on a le doigt de la tension. Donc, le fil est toujours en avant de l'aiguille de, 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 de gauche. Et là, on pique envers nous. Et là, il va falloir mettre les brins de l'aiguille entre, dans les grands trous, vous voyez les grands trous là, là. Comment que je fais pour passer, là c'est le gros castate du tricot continental. Parce que, il faut mettre l'aiguille dans les grands trous. Donc, il faut plier ici, les doigts, pour passer là-dedans. Avec la pratique, ça, ça devient facile. On passe et on oh maguette. Ah, C'est du gym aux doigt hein? Oui. Grosse respiration. Ouvre les grands trous. On passe les doigts. Ouf! Libère l'air. On pique. On ouvre les grand trous. On place les doigts. Ouf! Libère l'air. C'est difficile. Et on prend toujours quel brin? Les brins qui viennent vers la pelote de laine. Là, la patabon on y va. Là, pataboum, plie les doigts, on y va. Par contre, il y a plusieurs. Et en gros, chien s'en va, c'est un midi ici. Il, il de moi. Cependant, il y a plusieurs méthodes de faire la maille à en l'envers dans la méthode continentale. Mais Marcelo, pourquoi ça s'en sert, cette méthode continentale-là? Elle est dite, une fois qu'on la connaît, la manœuvre, puis tout, elle est connue d'être plus vite que la méthode américaine, parce qu'on fait moins de mouvements. il y a d'autres manières de faire la maille à l'envers. Il y a des gens qui prennent la maille à l'envers et font autrement. Il y a aussi les gens du pays de l'Est européen qui tricotent la continentale mixte. C'est un autre nom et qui est beaucoup plus simple. Regardez. à place de laisser les brins ici, à l'arrière de l'aiguille, ils vont y passer les doigts comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ça. Ils font juste placer là. Le brin est déjà dans les grands trous. Et qu'est-ce qu'ils font après? Ils glissent l'autre aiguille. Et la maille est déjà là. Ben, il a massé l'eau. C'est donc facile. C'est cool, ça. Oui, moi aussi, j'adore ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour tricoter? L'aiguille est déjà là. Ils piquent comme ça. Ils tournent. Le, guide, la, le brin de place. On recommence. Il pique. Il tourne le brin de place. Et après ça, il fait juste glisser. Il pique. tourne le brin de place. Il fait juste glisser. Il pique. tourne le brin de place. Juste glisser. Marcelo va vite. Hein? Pique. Brin de place. Juste glisser. Vous pesez sur pause. Il revient à ça. Et vous allez voir comment ça fonctionne, ok? C'est facile, parce que sinon ça va durer trois heures et personne va vouloir voir, écouter mon film après, là. Donc, il faut que les gens, il faut que je garde l'intérêt, ok? Et là, j'ai fini mon rang et je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien ici. Ici, il y a un espace. Vous voyez ici qu'il y a un espace, là. C'est là que j'ai changé les types de, 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 de maille. Ici, c'est le ouest de l'Europe. Ça, c'est l'est de l'Europe. Ici, il fallait que j'ai plié mon doigt pour faire la maille à l'envers. Ici, c'est juste changer les brins des places. Et ça fait une différence. Pourquoi? Ici, les brins qui viennent de la pelote, il est avant de la balle de laine. Ici, les brins qui vont vers la pelote, et l'arrière de la balle de laine. Donc, quand on va tricoter cette là, il faut que quand on va ouvrir notre gros trou, il faut regarder où est-ce qu'il y a le brin qui va vers la balle de la pelote. C'est ça la plus grosse complication quand on change du continental pour le continental mixte ici la plus grosse différence, c'est la maille à l'envers parce que elle change de place les brins qu'on doit tricoter, la position. C'est la seule différence. Par contre, on gagne en vitesse pour faire notre maille à l'envers. C'est bon. On continue. Ici, comme je commence à la maille à l'envers, je vais avoir une rayure bizarre. Pour commencer. Donc, je vais commencer mes 20 mailles ici. Et vous allez voir qui ici, dans mon échantillon la semaine prochaine, il ne veut pas rouler. Parfait? Super. C'est ça que j'avais pour vous montrer aujourd'hui dans notre rencontre. J'espère que vous avez aimé de notre projet. J'ai hâte de vous ramasser de vous rencontrer déjà la semaine prochaine pour, pour pouvoir faire avec vous notre premier, premier, premier carré de notre doudou. Donc, en fait, nos rencontres vont durer beaucoup plus que 60 semaines. On a un projet pour plus qu'on a. Il va falloir m'aimer, hein. Mais je ne suis pas difficile de faire m'aimer, Au contraire, je vais essayer d'être sympathique. OK? Et. C'est ça. Choisis la meilleure laine que vous avez, la laine que vous aimez, une personne, une idée. Donnez de l'amour. Séparer la dose d'amour chaque semaine pour mettre dans cette là Et pensez beaucoup à vous. Gardez ce temps-là pour vous et on va avoir beaucoup de plaisir ensemble. ça. C'est bon? À la semaine prochaine!